Tu as peur? Peur de moi? Du micro, de tout, du regard des gens. Je voyage ce matin. Tu viens d'où? Annecy. Annecy. Et tu as peur pourquoi là? Il ne faut pas avoir peur. Oh, il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Alors, c'est quoi le premier sujet? Le premier sujet, je suis malade. Malade? Voilà, les médecins, ils me font des analyses tout le temps. Oh, ta main se déforme comme ça. Voilà. Là. Oh là là. Je m'enfle un peu de partout. Oh là. Et ils ne trouvent rien. Ah bon? Que c'est inquiétant pour la famille. J'ai 3 enfants. Et là, j'ai tous mes enfants. Tu penses que le Seigneur peut te guérir là? Amen. C'est pour ça que je suis venue. Wow. Oui. Et le deuxième sujet, c'est... J'ai un problème avec le pardon. J'ai du mal à pardonner à mon mari pour une infidélité qu'il m'a faite. Il t'a trompé. Ça fait 12 ans, mais je n'arrive pas. Tu gardes toujours la colère. Oh. Et ça fait il nous suit là, en ce moment là? Je pense, mais je ne sais pas. Si c'est en direct. Alors. C'est en direct. Chérie, tu sais que je t'aime et je te pardonne. Enfin, le Seigneur va t'aider. Juste avant que tu nous parles, le Seigneur vient de me donner quelque chose là. Il y a un Pierre qui nous suit en ce moment là, qui est malade. Un monsieur qui s'appelle Pierre, qui nous suit en ce moment en direct, qui est malade. Je voudrais que tu nous appelles au 06 12 13 21 49. Merci David. 06 12 13 21 49. Appelle-nous tout de suite. Il y a une guérison miraculeuse sur toi. Là. Donc, ton mari veut t'écouter. Ben, ça fait 12 ans. 12 ans que je traîne avec ça. Avec l'infidélité que tu m'avais faite. Tu avais dit que je t'avais pardonné, mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai parce que je voulais rester à côté de toi. J'ai dit que je t'avais pardonné. Mais plus les années passent, plus je marche avec et je n'arrive pas à digérer. Et plus je pense que quand tu vas au pays, je pense que tu entretiens cette relation. Peut-être que je me fais des illusions, je ne sais pas. Mais à chaque fois que tu pars, ça m'énerve. Donc je n'arrive pas à te pardonner. Ce qui fait que... j'ai eu une occasion de me séparer de la chambre conjugale et j'ai saisi l'occasion. Donc là, je vais profiter de l'antenne pour dire que je laisse tout tomber et je te pardonne sincèrement. Ah ben c'est guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus. Je serai ta femme maintenant. Parce que je n'étais pas ta femme. Je n'acceptais pas. Aujourd'hui, j'accepte d'être ta femme. C'est bon, tu peux rentrer avec ta guérison. C'est bon.